je m'inspire beaucoup de la poésie de Leonard Cohen. Il y a une chanson de Leonard Cohen qui m'a toujours beaucoup touché, qui s'appelle The Future d'ailleurs, et où il affirme qu'on a dépassé un seuil et que ça a renversé l'ordre de l'âme, dit-il. C'est sûr que c'est anxiogène parce que ça pose à chacun la question de savoir s'il va être à la hauteur, s'il va pouvoir compétitionner alors qu'on vante tellement la compétition. Moi, je regarde ça au niveau des étudiants à l'université, par exemple. C'est de plus en plus difficile pour un étudiant de choisir un cours, par exemple, parce que ça l'intéresse. Il faut qu'il tienne compte de ce que ça va valoir dans son relevé de notes à la fin et comment, avec ça, il va pouvoir compétitionner avec ses voisins. C'est très difficile aussi pour les étudiants de collaborer à un travail en commun parce qu'ils savent que leur voisin est aussi leur compétiteur quand viendra le temps d'être admis aux études supérieures, par exemple. Donc, il y a quelque chose d'anxiogène dans un certain nombre de valeurs très, très, très importantes qui sont celles qui régissent notre société et où, quand on a le culte de l'excellence, la soi-disant excellence, d'ailleurs que personne n'a jamais définie, c'est sûr que ça pose à chacun le problème, est-ce que je suis excellent? Est-ce que je suis à la hauteur? Certains décident d'ailleurs de démissionner par rapport à ça, de ne pas entrer dans la course, mais ceux qui entrent et la majorité de ceux qui veulent gagner leur vie aujourd'hui, il faut bien qu'ils en fassent partie d'une façon ou d'une autre. Alors pour cela, oui, bien sûr, ça pose une anxiété. Évidemment, j'ai un biais d'échantillonnage dans ma pratique de psychanalyste. Par définition, je vois des gens préoccupés, anxieux, déprimés ou autres. Donc, je ne peux pas porter un jugement général sur la société. On dit qu'on est une société peut-être assez heureuse. Encore là, il faudrait voir les critères. Mais c'est clair que sinon, l'anxiété ou l'angoisse, du moins, une certaine tension sociale existe et on peut l'attribuer sans grand risque de se tromper à tous ces vecteurs qui nous assaillent et qui nous demandent d'être performants. Le mot performance est tellement important de nos jours.